Et bien salut à tous, c'est Kekeven de la chaîne Geek Me 5. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok pour le bruit, pour le sixième épisode de notre série des présentations de ressources pack. Alors, parce que ça va commencer à me casser les couilles. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le... Alors quel pack c'est? Bon, ça lag toujours. Le Chroma XDX, donc c'est un pack rainbow pour changer. Que moi je joue pas mal. Donc l'épée en bois, donc voilà, vraiment sympa. Donc toutes ces épées là sont assez simples, mais pas mal. Alors le pack, je sais pas combien fois combien il est, mais il est assez détaillé. Donc les petits PC évités. Moi j'ai un petit PC, mais bon, j'arrive à peu près à bien tourner. Et voilà, l'épée en diamant qui change de couleur, donc voilà, un rainbow vraiment hyper beau. Niveau des pommes d'or, donc ça c'est la pomme normale, donc voilà, normale. Et la pomme dorée, hein, qui est vraiment très très belle aussi, qui change de couleur. Pour les potes sont édites, donc donc là voilà, on a les particules de popo, ça on ira voir après. Donc l'underpearl qui change aussi de couleur. Donc ça pack vraiment très très animé. Les bruits que vous entendez là, les bruits d'Hunger Games, c'est en fait quand il y a une explosion. Donc quand vous faites un Hunger Games par exemple sur Epic Cube, voilà, vous entendrez ces bruits là quand il y aura un mort. Les sauts d'eau, sauts de lave sont animés aussi. Il y a beaucoup de sons de changer aussi. La soupe, on s'en bat les reins. La canne à pêche qui est vraiment très très belle. De toute façon, il y aura une phase PVP après, mais avec l'hameçon qui est vraiment très très beau, goutte d'eau et tout. Donc ça, c'est pour la présentation. Donc voilà, les minerais, ce que ça donne. Des minerais plutôt beaux, et ça, c'est le minerai de diamant, donc avec les contours. Spécial UHC. C'est un arc assez joli en... Franchement c'était un pack, ah, après ça fait peut-être un peu gros pour tout ce qui est build UHC et tout, mais franchement ça se joue assez bien quand même. Donc là les items, je vous les mets juste comme ça, voilà, ils sont rainbow, tous les items en diamant sont rainbow. Je crois que qu'il n'a pas changé du tout la couleur du ciel, okay. C'est du classique. Le low fire, donc bon c'était prévisible, hein, un low fire plutôt rainbow. Tout ce qui est armure, voilà ce que ça donne, donc c'est du assez classique, et puis bon, les armures en diamant sont vraiment très très belles. Merde, excusez-moi, les particules d'eau n'ont pas été changées, ça et ça, voilà. C'est des particules vertes à moitié. Voilà, et les deux en même temps, ce que ça donne. Donc, voli volou. Donc voilà, j'espère que ce pack va vous plaire, il sera en description. Juste après il y a la phase PVP, donc je pense que je vais en faire une sur Badur, une sur Koi si j'ai le courage. Mais sinon voilà, je vais en faire ça va vous montrer le pack dans les gros, deux grands thèmes PVP. Donc on se retrouve d'ici peu les gars, c'est le comeback, on va essayer de faire un peu plus de vidéos cet été. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous et commentez. A plus les gars.